Bonjour à tous, c'est Stéphane. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle séance maison. On espère que la dernière séance vous a plu, malgré les petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer, notamment à cause des musiques. Petit point d'actualité, donc le déconfinement a été officialisé. On est en zone verte, mais on ne peut pas vous dire en tout cas ce qu'il en est encore pour nous, pour le club, et quand est-ce qu'on pourra reprendre dans nos locaux. Voilà. On va démarrer avec un échauffement qui se fera en trois parties. Il y aura une partie articulaire, une partie cardio et une petite partie stretch. Allez, on attaque, c'est parti! Vous vous tenez droit, on relâche un petit peu les bras. On va venir incliner la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche. Droite, gauche, droite, vous allez rester, étirez un petit peu, 5 secondes, pareil de l'autre côté, j'étire, légèrement, ça ne doit jamais provoquer de douleur, parfait, maintenant on va faire 5 rotations de la tête, dans un sens, puis dans l'autre, on y va, 1, 2, 3, 4, 5 et dans l'autre. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Vous mettez la main droite sur l'épaule gauche et on fait 5 rotations du bras vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et vers l'avant. Essayez d'avoir la sensation de pousser le mur, d'agrandir le bras à chaque rotation. 4, 5. Pareil de l'autre côté, vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et vers l'avant. Et 1, 2, 3, 4, 5. Tiens droit, je vais faire 5 rotations de la hanche vers l'avant, 5 vers l'arrière et pareil de l'autre côté. On attaque avec ma jambe droite. Et 1, 2, 3, 4, 5. Sans reposer de pied, si on peut dans l'autre sens. 1, on cherche les grandes amplitudes. 2, 3, 4 et 5. Pareil avec l'autre jambe vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5 et vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous avez peur de tomber, vous pouvez vous mettre contre un mur. D'accord, il n'y a pas de problème. Prochain exercice, vous pouvez un peu monter sur les pointes de pied. Je monte pendant 20 secondes et je vais tenir 20 secondes. Et 1, 20, je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, soufflez bien. 6, 7, 8, fixez un point devant vous. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Dernier exercice, on va faire des flexions de genoux. Les mains au sol, je plie les genoux, je monte et je descends. On va en faire 20 et après tenir 20 secondes en fermeture. C'est parti. Et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je tiens en fermeture. J'essaie de garder les deux mains à plat si je peux, sinon je me mets sur le bout des doigts. Si la fermeture est vraiment très simple, j'essaie de venir chercher derrière et de rentrer la tête au maximum. On a encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok.
On va faire 30 secondes d'un exercice, par exemple montée de genoux, talons, fesses. Juste derrière, on enchaîne tout de suite avec 20 secondes de jumping jack et après 10 secondes de récupération. D'accord? À chaque fois, chaque exercice sera entrecoupé d'une série de jumping jack de 20 secondes et de 10 secondes de récupération. Les exercices sont très simples. Il y a marche dynamique, montée de genoux, talons, fesses, ciseaux, de cette manière-là, alterné, saut extension et après corde à sauter. Parti pour marche dynamique. On va commencer un petit peu à monter les genoux. Ok. On passe au jumping jack, c'est parti. Et... pensez bien à souffler. Attention, 3, 2, 1, et récupération active pendant 10 secondes. Vous pouvez marcher un petit peu. Prochain exercice, montée de genoux sur place. Attention, let's go. Allez, 30 secondes. Allez, levez bien les bras. Quand je monte, le bras, c'est la jambe opposée qui part. Secondes encore. Allez, on lâche pas. Pensez bien à respirer. Si vous voulez que ce soit plus intensif, levez les genoux et les bras plus haut. Attention, et jumping jack, c'est parti. Et. Prochain exercice, talons fesses. 3, 2, 1, et talons fesses. Allez, 15 secondes encore. 10 secondes. Pensez à souffler. 3, 2, 1 et jumping jack. Encore, encore, 10 secondes, et 5, 4, 3, 2, 1, jumping jack, et prochain exercice, ce sera les sauts extension. Donc sauts extension, je viens plier les genoux, je touche le sol et je saute le plus haut possible. Attention, récup active, c'est parti. Récupérez. Et c'est parti, saut extension. Et je saute.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et jumping jack. Ça commence à brûler dans les cuisses. Allez, 10 secondes encore. On terminera après par la corde à sauter. Allez, on lâche pas. Ok, récup active. Corde à sauter. Quinze secondes. Poussez bien dans les pointes. Serre bien les fesses, le ventre. Ok. Jumping, parti. Allez. Dix secondes. Allez, on donne tout. Trois, deux, un, 10 secondes. Récupération active. Ok, marchez un petit peu, soufflez, buvez un coup si vous voulez. Bonjour à tous, une nouvelle vidéo cette semaine sur les bras. Donc pour cela, il vous faudra 2 bouteilles, de lait, de jus d'orange et un canapé ou une chaise à votre disposition. Les exercices, le premier, on vient se mettre debout, le ventre rentré, les fesses serrées. Et on va faire des petits mouvements du bas vers le haut. Le deuxième, les coudes à 90. Je me mets à genoux pour que vous me voyez mieux. On vient resserrer les mains au-dessus de sa tête et redescendre coude à 90. Toujours le ventre rentré, les fesses serrées. Ok ? Le troisième, on vient fléchir légèrement les genoux, se pencher en avant le dos droit. Et on vient tirer les coudes vers l'arrière. Les mains sur le canapé. Les fesses cachées, on vient descendre la poitrine entre ses mains. Pompe. Pensez à rentrer toujours le ventre pour ne pas vous faire mal. Allez, c'est parti. On récupère ses poids. Allez, petit mouvement du bas vers le haut. Le ventre rentré. Allez, le plus rapidement possible. On accélère. Toujours les bras tendus.
on tient. Si on en veut plus, on relâche. Sinon, pendant les 10 secondes, on tient. Allez, on souffle. Ok, exercice suivant. On enchaîne. Allez, pas de pause. On s'est assouplé. Sur les jambes, vous aurez besoin d'un petit marchepied, mais c'est optionnel, éventuellement d'haltères ou de bouteilles de poids équivalent et d'une chaise bien calée contre un mur. Alors, nos quatre exercices. Le premier, sumo squat, pied écarté plus que la largeur de son bassin. Le premier exercice, sumo squat, pied écarté plus que la largeur du bassin. On peut prendre ses haltères ou alors sans haltères. Et on va venir fléchir les jambes avec les genoux à la pointe des orteils. Et on garde son dos bien droit. C'est-à-dire que ce sont mes fesses qui reculent. Mon genou ne bouge pas. Deuxième exercice, les mollets. Donc si je n'ai pas de marche-pied, je les fais au sol. Je monte et je contrôle ma descente. Je monte le plus haut possible, je contrôle ma descente. Le ventre rentré, les fesses serrées pour verrouiller mon bassin. Si j'ai la chance d'avoir une petite marche, un escalier, je fais la même chose. Les talons vont descendre un petit peu plus bas. Je contrôle bien ma descente. Troisième exercice. Je vais appuyer mes épaules jusqu'au niveau des omoplates. Lever mon bassin. Lever une jambe. Et je vais descendre et remonter. Mon objectif, c'est d'être à l'horizontale. Et je pousse. Et je ferai la même chose avec l'autre jambe. Allez. Elle a démarré. Allez, on est en 45. Bien, ça vient les fesses derrière. Et on peut s'inspirer, on prie pour sa respiration. Voilà. Thank you.
Ça chauffait 10 secondes. Et là, il faut garder le rythme. Et on relâche. Ouf. Enchaîner avec les jambes. Et on y va. Allez. On tient le ventre. Et on serre toujours.
30 secondes. Allez. On tient bon. Super. Parfait. Pour les courageux, si le cœur vous en dit, 2 minutes de récup et vous pouvez refaire une deuxième fois le tour du circuit. Et on continue avec une petite vidéo pour vos abdominaux. Il vous faudra aujourd'hui un bâton ou un manche à balai. Vous n'en avez pas, c'est pas très grave. 30 secondes de travail, 10 secondes de récupération. 4 exercices. Le premier, les bras aux oreilles. Je viens m'allonger sur le dos, les pieds dans le sol et je vais remonter uniquement le haut de mon dos en essayant d'arrondir mon dos, de rentrer le ventre et de creuser la poitrine. D'accord ? On cherche à avoir le dos le plus rond possible. Le deuxième, les jambes tendues, les mains en direction des pieds et je viens avec mon bâton toucher mes chevilles ou mes pieds. Ok ? Le suivant, deux options. La première, facile, les mains au-dessus des cuisses. Je ferme groupé et je redescends le dos au sol. Et si je suis en forme, je fais la même chose, jambes tendues. Ok ? Et le dernier, toujours dans la même position, épaules décollées, ventre rentré. Et je vais essayer de balancer devant, derrière. Attention, toujours le ventre bien rentré et le bas du dos en contact avec le sol. Exercice numéro 1, les bras aux oreilles. On vient chercher à se grandir, les mains en direction du plafond. C'est parti. Allez, comme si quelqu'un nous tirait les bras vers le haut. On arrondit bien le dos. On rentre le ventre. Allez, grandissez le haut de votre dos et vos épaules. Commencez à souffler. Avec deux options, les fermetures groupées ou tendues. On repose le haut de son dos à chaque fois. C'est parti. Le dos au sol, les épaules décollées. Je viens sur les fesses, je redescends sur mon dos. Option plus dure, les jambes tendues. À vous de choisir. Attention, pas de creux entre le dos et le sol. Ok. Le dernier, le bateau. On peut aussi faire un bateau, les jambes fléchies. D'accord ? Si c'est trop dur. Attention au bas du dos. C'est parti. Le bas du dos bien en contact avec le sol. Option. Si on commence à avoir mal dans le bas du dos, on vient tenir la position statique. Sinon, on continue. Ok. On reprend tout depuis le début. Les relevés de buste. Allez, on grandit les épaules. On décolle le haut du dos. Thank you.
lecture. N'hésitez pas à utiliser les options. Allez, c'est parti. Toujours fesses, bas du dos. Fesses. Et on relâche. Le dernier. Donc là, on met trois options, d'accord? Parce qu'on commence à être fatigué, comme tout à l'heure. On peut rester en position statique. Le ventre rentré. Option 1. Je tiens. On rentre bien le ventre. On creuse pas son dos. Si on est en forme, on balance devant, derrière. Et si on est au top de sa forme, pareil, on met les jambes tendues. Bonjour, aujourd'hui exercice un petit peu dorsal aussi. Deux en statique, deux en dynamique. Le premier en statique, en croisé. Une fois, main droite en l'air, jambe gauche en l'air, et on maintient 30 secondes. On change tout de suite, et on maintient 30 secondes à l'inverse, bras gauche, jambe droite. Ensuite, on se servira de la chaise, on fera des remontées de buste, on se servira de la table pour tirer les jambes, et à l'inverse, on s'allongera sur la table, et on fera des relevés de jambes. Le dos bien à plat, et on tend les bras. Et hop, allez, go, 1. On tient bien le bassin. Hop, et on change. Garde le sol. On se grandit au maximum. Hop là. Le temps de souffler. On change de position. Hop. On se met à plat ventre. Juste au bord du bassin. On tient les pieds sous la table et c'est parti. 15 remontées et on tiendra 15 secondes. Et on tient 1. On serre bien le ventre, on serre les fesses. Hop, on pose les mains, on descend. On change, on s'allonge sur la table. On laisse juste dépasser les jambes. On se tient à la table. Et allez, on tire. Pareil, 15. Et on tient 15. Et on tient. Et on repart. On se détend un peu. On souffle bien. Si on veut, on peut boire un coup. On se détend, on se détend. C'est un bon repos de 30 secondes.
tire un peu. Et on part pour une série. Go! On se grandit, on se grandit! Et on change. Garde le sourire. On souffle. On prend la chaise. On s'allonge. J'arrête la musique. Et c'est reparti. On calme bien les pieds, les bras croisés et hop, hop. Et on tient. On souffle. Le temps de descendre, on pousse la chaise. Allez, on se met sur la table. Prépare. Et c'est parti. Go! On revient au tapis et on se détend. On souffle bien. On va s'allonger, s'étirer. Le dos bien arrondi. On souffle bien. On relâche bien le dos. Et on va chercher loin avec ses bras. Encore une dernière fois pour finir. Un petit peu de dos rond et de dos creux. Pour travailler la bascule du bassin. On essaie de rester statique au niveau bassin et épaules. On se nage doux. Des petits cercles de bassin. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. À la prochaine, restez forts et attention, on s'en retrouve souvent en ligne. C'est parti pour les fessiers. Pour cette séquence, vous n'aurez besoin que de votre serviette. Je vous laisse vous installer sur le ventre, sur la serviette et moi je mets la musique. Alors, vous allez coller les plantes de pied, main au sol, le front sur le sol, décoller les cuisses et serrer les fessiers. On est parti pour 30 secondes. 4, 3, 2, c'est parti. Allez, on monte. On fond les fessiers à chaque fois.
Allez, on contracte les fessiers. J'espère que vous avez apprécié cette séance et maintenant place au stretching. Alors, vous aurez besoin d'une chaise. Placez-vous derrière la chaise, reculez les jambes. Les jambes sont tendues. Placez les bras sur la chaise et poussez les fesses vers l'arrière. Soufflez. On fléchit la jambe droite, puis la gauche. On alterne doucement. Soufflez. Rapprochez les pieds. Dos rond, déroulez la colonne doucement. La tête en dernier. Attrapez une pointe de pied. Genoux collés, hanches droites, fesses serrées, ventre rentré, on pousse les hanches vers l'avant.
Tire les cuisses. Allez, un peu de souplesse. Posez le talon sur la chaise, le dos droit. Reculez les fesses vers l'arrière. Dos plat, allongez-vous loin devant. Respirez profondément. Changez la jambe. Genoux collés, fesses serrées, poussez les hanches et le bassin vers l'avant. Allez, on allonge la jambe devant. Placez les mains sous les genoux, dos rond et poitrine creuse, relâchez la tête. Inspirez, soufflez dos rond, inspirez, soufflez. On va étirer les fessiers, venez vous asseoir. Au bout de la chaise, poussez le bassin vers l'arrière, changez la jambe. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à très vite.